Donc en tant qu'homme, il est difficile de trouver une école esthétique pour se former. On a besoin de frapper à la porte de différents établissements. Avec la tendance actuelle, c'est une mode qui a plutôt tendance à se généraliser. Donc il y a de plus en plus de facilité et heureusement. Mais ça n'a pas toujours été aussi évident. Moi, je suis gérant d'un institut de beauté. Donc la particularité en tant qu'homme de gérer une équipe d'esthéticiennes, de femmes esthéticiennes, et je dirais plutôt une forme d'avantage dans le métier. Parce que vous allez avoir une complicité que les femmes n'ont pas tout le temps entre elles. Il y a plutôt une espèce de compétition entre les femmes dans le métier. Et le fait d'avoir un homme au sein d'une équipe ou alors un manager homme a plutôt tendance à apaiser les choses, à apaiser les tensions et à provoquer un dialogue, un échange, ce qui reste très intéressant. Ensuite, l'approche cliente. Donc comment va réagir une cliente quand elle a affaire à un esthéticien dans le métier. Donc, déjà, si elle appelle pour prendre rendez-vous, donc la praticienne va lui dire « Très bien, vous avez rendez-vous pour telle prestation, tel jour à telle heure, et avec Julien, ou avec le prénom d'un autre esthéticien. » Là, la cliente, en règle générale, va se dire « Oh mince, Julien, c'est un homme, comment ça va se passer ?» Elle est dans le cliché, c'est normal, c'est humain, donc elle va s'imaginer un homme plutôt costaud, tatoué, barbu, avec plein de poils. Donc, généralement, c'est pas le cas des esthéticiens. On est plutôt, je dirais, dans l'attention, dans la douceur, dans la générosité et dans la subtilité surtout. Et ça, c'est apprécié des clientes. Donc, une fois qu'elles nous voient, elles sont plutôt rassurées. Donc, l'enjeu, en fait, de l'homme en esthétique, c'est plutôt la personne qui va vendre les prestations de l'homme. Il va falloir, en fait, proposer une prestation, proposer le praticien, mais par contre, on ne peut pas dire « par contre, ce sera avec un homme » ou « alors, ce sera avec Julien, il faut qu'on en parle ». Non, c'est « vous faites telle prestation, tel jour, à telle heure, avec telle personne ». Et là, les choses généralement passent mieux.